Et au CGMKS, retrouvez-moi dans le C'est moi wesh de La Pépite. On est ensemble. Brr, hey gang, 8848. C'est moi wesh. Ok, moi c'est JMKS, aka Parmonie STP, 8848 gang, ce même clan, 8 gang, ça vient de Marseille. Bye bye. Il n'y a pas vraiment d'explication JMKS, voilà, je trouvais ça con. Du coup, après Parmonie STP, c'était pareil, c'était un petit délire comme as. J'étais à la trappe posée au 134 et un soir j'étais juste en mode un peu, voilà, et j'ai changé mon blast sur Insta. Mais voilà, en vrai, il n'y a pas vraiment d'explication à mes blasts, je vous avoue. Amour, haine et wavy. Ouais, c'est pour moi, c'est le morceau qui m'a permis de, on va dire, élargir mon public, tu vois. T'es ma la bitch, c'est mon ex, t'es ma sa gritch, t'es ma sa suite, tu veux me chop, bah essaye, je vais drôle en ville, et je suis solo, t'es ma sabri, c'est ma chaîne, tu gratuit, c'est le gang. Je fume 7 packs de Cali par semaine, je consomme moins depuis que ça marche. Je dirais Caméléon. En vrai, c'est au lycée, il y avait un groupe, je traînais avec un groupe de rap et après, du coup, on a monté un collectif et à partir de là, j'ai commencé à kicker, mais j'étais pas le premier, tu vois, à rapper en vrai. Dans moi, ce que je recherche, le flow, mais de ce que je vais écouter, ça va être flow, texte. En vrai, j'ai besoin des deux, tu vois. Bah, c'était un peu à cette époque-là, justement, au lycée, on rappait à 15, on arrivait, on demandait à l'ingé son de nous envoyer les sons en mode non, t'inquiète, en maquette, t'inquiète, c'est juste pour écouter, après on les sortait direct, mec, on ne payait même pas le mix. On fait une session à 15, tu connais hein, le début. Je devais écouter Nelly, Young Jock, j'étais déjà dans toutes ces vibes en mode South de ouf. Je commençais déjà un peu à écouter Mac Miller. Dernièrement, des gens qui m'ont plus ou moins influencé dans ce que je fais, je pense à des Young Noji, des Sababi, ça m'a inspiré à me renouveler dans ma musique, tu vois. Ouais, en vrai, moi j'assume tout, la vérité, tout ce que j'écoute, en vrai, je le partage et j'ai pas de complexe avec ça. Busta Rhymes, Touch It Remix. La vérité, quand il y avait les bails de couleur, tout ça, c'était stylé, tu vois. J'ai des inspirations, bien sûr, j'aime beaucoup des personnes, j'écoute un peu tout ça. J'ai besoin, pour faire un feat, de connaître un minimum la personne. Je fais pas vraiment de feat à distance avec des personnes que je connais pas. Elle doit faire quelque chose de différent, justement, apporter quelque chose en plus. Le bonheur avant tout, réussite, un bon démarrage pour le projet 8 Game avec mon gars Ricky. C'était JMKS pour La Pépite, abonnez-vous à la chaîne YouTube. C'est moi, wesh.